Les moins 20K. Dose, dose, dose. Dose. Les matériaux qui résistent mieux, j'imagine, ouais. Mes profs disaient au collège on pourrait prendre l'Everest et le retourner et le mettre comme un glaçon dans un verre d'eau, dans un verre dans les fosses sous-marines. Enfin, faut doser quand même parce que l'Everest c'est presque 10K d'altitude quand même. Faut doser quand même. Le Mont Blanc à la rigueur, pourquoi pas, mais l'Everest. Faut doser quand même. Surtout que la chaîne de montagne en plus. C'est tombé quoi. Après, ça vaut pas les chaînes de montagne sous-marines, mais bon. Après, c'est peut-être toi qui as mal compris ce que veut dire les profs. Non, il faut que j'arrête d'acheter les frosts en vrai. Est-ce que vous pouvez m'insulter quand j'achète des persos frost, s'il vous plaît? Je pense que j'ai besoin de ça pour pas les acheter. J'ai presque mal. Et Arzilia, c'est un perso Frost. Vous pouvez m'insulter, allez-y. Non, mais ouais, pourquoi j'ai des Frost en vrai? C'est une catastrophe. J'aime beaucoup ce truc-là, c'est trop fort, je trouve de tension hein, pour le coup. Parce que le profondeur, donc si l'Everest se retournait, passerait sur la hauteur. Oui, j'ai dit que ça passerait. J'ai dit que c'était pas l'équivalent d'un glaçon dans un verre d'eau, tu vois. Parce qu'un glaçon dans un verre d'eau prend pas 90%. Bref, sans branle. Si je prends un temps de récompensé, vous pensez que j'ai zoé ou pas? C'est quoi le winrate de cette merde d'ailleurs? Ça doit être un peu à chier. C'est complètement à chier, c'est bien ce qui me semble. Alors haute tension, c'est zinzin de l'espace, haute tension. On va prendre ça. Cassiopeia. Bah oui, super. Mais encore. Je vais faire du bif dans cette game là. Je vais faire du bif. C'est super sur Ryze ça, vous savez ou pas? Vous savez ou pas que c'est super sur Ryze? Je vous le dis. Je vous le dis, c'est zinzin. Par contre, faire du bif, Zoé, s'il te plaît. Hein. On est là pour faire de la. Oh ouais, ça fait du bif, ça y est là. Bif Tannen. Est-ce qu'on est d'accord que bif c'est le meilleur personnage dans Retour vers le futur? Ça, c'est un vrai débat ça. Ça, c'est un vrai débat ça, je tiens à le dire. Je sais pas si j'ai le temps de faire les 10. C'est ambitieux quand même. J'espère que j'ai le temps. Ça rapporte pas de thunes mais ça gagne. C'est une vraie compo qui gagne, Ryze 8 portal. Ah bah c'est zinzin en fait, c'est complètement zinzin en vrai. C'est super bien en vrai. Attendez. Tac. 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 Ça fait
20 minutes que j'essaie de répondre à un mail en même temps. Mais je mets à peu près 7 minutes de trouver un mot, comme je joue en même temps. Mais il faut que je réponde au mail aussi, c'est une catastrophe. C'est dur la vie, le chat. Hein. Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? C'est quoi le programme? Quel est le programme de la journée? Chillax, ça c'est bien ça. Oh, il faut que je trouve. Est-ce qu'il y a un film sympa que vous avez vu récemment? Demain j'ai 3 heures de train pour retourner sur Paris demain. Il me faut une idée de film. Ah, je regarde la série The Beer, mais je sais pas si ça se prêterait bien au train, The Beer. Je suis pas sûr que ça se prête bien dans le train. C'est bien, tu vois, mais c'est des épisodes courts de 30 minutes et tout. Je sais pas, pour le train, je sais pas. Après, tu me diras, je peux prendre 10 épisodes. Hein. C'est pas mal, The Beer. Je suis partagé en fait, j'arrive pas à savoir si c'est bien, si c'est très bien ou si ça me gonfle un peu. Ça n'a aucun sens, je sais. Mais tu vois, j'arrive pas à trancher entre les trois. J'ai beaucoup de mal à trancher là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. C'est vraiment entre les trois, j'hésite, je vous promets quoi, c'est une catastrophe. Je porterai Portal. Je pense que je push en vrai. Après, j'aurais pu juste dégager Pops aussi en vrai. Ouf, ça. Ça crie beaucoup, mais c'est bien. Et c'est un peu ça, tu vois, genre c'est un peu barré. Et je suis pas forcément fan de ce qui est barré en général. Mais en même temps, c'est bien quand même, tu vois. Je suis circonspect vis-à-vis de cette chose. Mais d'un autre côté, c'est quand même pas mal, quoi, tu vois. Donc je sais pas. Parce qu'elle sert vraiment à rien là. Enfin, si elle rentre sorcière, mais autant avoir ça non. Plus de dégâts magiques, c'est pas mal. Ça va prendre un coco. Non, là, j'ai regardé la série Pachinko, la série coréenne, ça c'est trop bien. Mais j'ai fini, mais je crois qu'il y a une saison 2 qui arrive, mais. Mais bon. Alors, je suis quand même très déçu de cet item quand même. Hein. Terrible. Mais qui paye Apple TV? Moi, j'ai Apple TV avec Canal. Et après, tu peux me dire qui paye Canal, c'est encore autre chose. D'ailleurs, si vous pouvez me rendre la Ligue 1 sur Canal+, s'il vous plaît. Franchement, je serais ravi, quoi. J'en demande pas tant, mais... Mais je serais quand même content que si vous pouvez me rendre la Ligue 1 sur Canal+, s'il vous plaît. Nico solo front, c'est chaud quand même. Putain, je reviens pas des scores du stream quoi, vraiment là. Non mais top 7, top 8, top 7, non mais franchement le jeu m'aurait chié dessus, c'était plus respectueux quoi. Eh, trop bien les items par contre hein, c'est zinzin. On va pouvoir faire une stone plate et on va pouvoir faire un rabadon. C'est incroyable quoi. Tac. Attendez, tac tac. Là, faudrait qu'on rentre érudit. Eloudi. Je pense pas que le fight dure assez longtemps pour profiter de ça. Si seulement Zoé pouvait passer deux. Ouais, c'était comme ça. Et merci beaucoup à Fuzzbucket qui vient de s'abonner. Merci beaucoup. Merci pour l'abonnement. C'est trop drôle. Comme si la magie pouvait faire mal.
Le golem de soutien, je kiffe de fou cette augmente en vrai. Ça c'est non, ça c'est non. Ah, non, j'aime bien le golem de soutien. Un zéphyr, bah oui, bah, très bien. D'accord, ok, non mais d'accord, très bien. Deux heures de... Ouais, mais bon courage, Jordi, bon tatouage. Hein. À chaque fois que j'arrive sur ton stream, tu bottom, j'ai l'impression que je porte la poisse. Mais je pense aussi, hein. Je pense qu'au Moyen-Âge, on a brûlé des femmes pour moins que ça. Après voilà, je suis pas en train de dire que j'envisage... comment dire, de... Un bûcher, non plus. Oh putain, j'ai ma rise. C'est bon. Tu viens de te rattraper là, en vrai, Luna Vesta, là. Full chat le rise, en vrai. Tout est pardonné, comme disait Charlie. Je peux porter les 6 si j'ai Ezreal, mais j'ai pas Ezreal, cake. Tout est pardonné. Ça y est, c'est officiel. Je vais sortir les sommes, c'est quoi, faut se faire foutre. Ça va être cancel, tout ça. Ah, c'est vrai, ça. Ce serait mérité, je pense, hein, cela dit. Ce serait mérité. Après, comme je suis connu pour ma malveillance par la communauté, la bonne nouvelle, c'est que personne dira « Ah putain, on pensait qu'il était sympa et tout. » Non, parce que c'est ma hantise, ça, tu vois. Les gens pensent que t'es sympa et en fait, ils se rendent compte que t'es un connard, alors que si direct, tu montres que t'es un connard, c'est quand même vachement... c'est vachement moins décevant pour les gens, finalement, quoi, vous voyez. Je pense que c'est important. J'ai pas raison, Briggs, franchement. Est-ce que j'ai pas raison? On est d'accord? C'est terrible de décevoir les gens. Alors que c'est direct, ils ont aucune attente. C'est idéal, quoi, je veux dire. Voilà, on ment pas aux gens, aucune attente. C'est parfait, quoi. Je comprends rien au gear de Ryze. Alors, Ryze, donc deux choses sur Ryze. Hein. Premièrement, c'est que plus il a d'attack speed, plus il lance de boulettes. Vous savez, comme quand. Est-ce que vous aviez ça au collège? Nous, on prenait des effaceurs, c'était des effaceurs, hein. Et tu pouvais faire des sarbacanes avec les effaceurs, hein. Voilà, et tu lançais des boulettes avec, bah c'est pareil, lui, plus il a de l'attack speed, plus il lance de boulettes avec ses sarbacanes. Ma foi, petit 1, il est relou lui en vrai. Petit 2, il porte très bien Morello et Red Buff, parce qu'il tape 4 cibles à la fois. Donc de l'attack speed c'est très bien, Morello de Buff très bien, et derrière il aime beaucoup l'AP. Et contrairement à beaucoup de persos AP, il n'a pas forcément besoin d'avoir Shojin, voilà. Pinceau plus effaceur. Oui, voilà, c'est un pinceau, c'est ça. C'est ça. Quel enfer, quoi. Les cours d'art plastique. Je m'en remettrai pas, je pense, en vrai. Quand je serai président de la République, on supprimera les cours d'art plastique. Hein. Parce que je suis très très nul en travaux manuels. Donc, hors de question que les autres puissent être bons en travaux manuels pendant que moi je suis nul à chier, quoi. Je pense que je peux acheter, on cherche Ezreal. Ou Taric, hein, au hasard. Diana! Bah oui, d'accord. Après, Diana peut rentrer avec Taric. Hein. Oh my god, Taric. Nico 2, non mais là faut aller se faire foutre. Non mais attends, ah putain, mais je vais pas prendre la Nico, Jérémy. Ah, Ezreal. Mais du coup, je peux pas rentrer les 7. Et non, parce qu'il manque Taric, quoi, si trop du cul. Ah oui, c'est vrai. Dommage. Too bad. Alors, Diana, ça peut rentrer si j'ai la spade portail, mais bon. Comment ça, supprimer l'art plastique alors que c'est la meilleure matière avec le sport? Ah, je suis d'accord que le sport, c'était vachement bien. Mais moi, l'art plastique, je détestais ça. Franchement, c'était une catastrophe. Après, c'est parce que je suis très nul en travaux manuels. Hein. Vraiment, c'est terrible. Hein. Les deux matières que j'aborais le plus, c'était l'art plastique et la SVT, vraiment. Le reste, ça va, tu vois. Parce que ça, plus brûler des meufs, ça fait beaucoup. Non, j'ai pas dit brûler des meufs, j'ai dit brûler des sorcières, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Notamment cette Zoé, je pense. Alors. En plus, je parlais du Moyen-Âge, j'ai pas dit qu'il fallait le refaire aujourd'hui. C'était un exemple historique, ma foi. Impossible à fabriquer, la flemme, hein, du coup. Les cours de TFT, ça serait bien, ça, en vrai. Ça pourrait faire à la fois cours de maths, cours de stats. Tu vas brûler les tanks. Alors, jusque-là, je ne savais pas que t'étais une sorcière. Mais du coup. Non, du coup. Non. Non, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Le nom était quand même gêné, hein. On a remarqué. Je peux mettre l'armure parce que je vais la vendre la Nico. T'as réfléchi pour dire non. Ouais, mais j'essaie toujours de réfléchir avant de parler. Ça fait de dire des bêtises. Mais voilà, j'ai réfléchi, mais
Et voilà quoi. Non mais c'est Luna Vesta qui sera sacrifiée. Après avoir reconnu, de Cursed le stream, je pense que ce sera tout à fait à propos. Parce que là, il y a eu des aveux, j'ai envie de dire. Il y a eu des aveux, donc je pense que les aveux étaient suffisamment significatifs pour qu'on puisse en arriver là. La vie est belle. Heureusement que je rentre à Paris demain. Ça, c'est la province, ça me fait dire n'importe quoi. La province. Trop d'air frais, ça. Mon cerveau est trop oxygéné ici, je pense. J'ai level up direct, je suis en Winstreak, faut un Taric par contre, sinon c'est relou. Ça, c'est non. Hein. Ah, attends. Si je dégage elle, ça va booster mon Rise de 300 HP, ça c'est très bien. Morgana, bah oui, d'accord, très bien. Qu'est-ce que ça donne, c'est non. Est-ce que je peux avoir un Taric, s'il vous plaît? Allô? 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 Ah, d'accord. Nora, sinon? Bah, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc, toujours pas de portail, c'est génial, c'est super. Attendez, on va stuffer. Tac, tac. C'est pas mal, vœu du protecteur en vrai. C'est quoi cette voix? Ah non, faut qu'on fasse un statique. On va faire un cœur en acier du coup. Ah, par contre, c'est vrai que j'ai cet item de merde là. Vivement que tu retrouves la pollution quand même. Ah non, mais là c'est terrible. Là. Vous savez que quand je cours ici. Là, j'ai été courir quasiment tous les jours depuis que je suis arrivé chez mes parents. Et tu vois, je retrouve pas. T'as déjà Ionic mec? Putain, ça c'est vrai. Ça. Mais tu vois, je parle. J'ai été tchal tous les 7 jusqu'au 7-9. Et après, ça s'est barré en couille un petit peu après. Mais là, je vais monter tchal. Hein. Parole de talk. Je disais quoi? Ouais, je disais quand je vais courir ici en Haute-Savoie là. T'as justement ce petit air de pollution me manque quoi, vous voyez? Ce petit air de pollution me manque énormément. Ce petit air. Ah bah, Rise 2. Bon, on peut aller niveau 9. Petit air de pollution très agréable me manque. On va faire un deuxième. On peut faire un double tank, mais. J'aime bien ça aussi. En fait, Sacré Lampion là, c'est quand même stylé. C'est quand même stylax là pour le coup. Hein. J'ai un Gangan, c'est pas mal ça. Attendez, je vais faire ça. Attends, peut-être ça. Tac. Tac, tac, tac. Bon, j'ai totalement la flemme de placer mon Zephyr, évidemment. Et là, on peut peut-être aller level 9. Mais bon, c'est un peu sans queue ni tête, mon histoire de Diana Morgana, là, franchement. 6 portails, là. Petit cancer des poumons qui réconforte, là. Non, mais je vous jure. Tiens, j'ai l'impression que... un petit... Après, on pourrait virer ça de Rise aussi. Bon, on va remonter à 30, ça va être pas mal quand même. Après, là. Tiens, respirer un peu de diesel, tu vois, j'ai l'impression que ça me fait aller plus vite, quoi. Un petit peu, finalement, comme une voiture qu'on aurait... On aurait chargé, enfin avec laquelle ma foi on aurait fait le plein quoi. Alors encore un raid. Ah, on gagne un champion portail aléatoire. Attention. Si c'est pas. Je veux dire, si c'est pas. Comment il s'appelle? Putain, comment il s'appelle déjà l'autre? C'est pas Nora, je me jette lesté à 20 kilos dans le lac Léman. Très bien. Il faut un volontaire pour venir m'attacher au à l'enclume. Bah c'est super. Il est déjà deux. Ouais. Bah c'est au moins j'ai pas perdu de gold au moins on va dire. Ça aurait pu être pire. Putain, c'est relou bordel. Prends le Rise au cas où. En fait, j'ai envie de passer à 30 gold, du coup j'hésite. Bon, en tout cas, si je le prends, c'est à la fin du fight, mais j'hésite totalement. Et indubitablement. Allez, tape. Allez, un gold. Allez. En fait, Rise, c'est contest. On n'aura jamais Rise 3, ça va me nerfer, je pense. Non, la flemme, en vrai. La flemme. Alors je suis évidemment à la speak, mais c'est même pas la game sans HP, je suis abattu. Ouais bah la Nora, super. Super la Nora. C'est super. Bon bah ça sera baguette hein. Non mais on n'aura jamais je pense hein.
Le blitz bien gras. Bah, c'est vrai qu'effectivement, on l'a vu comme ça là. Il a mangé trop de raclette. Hein. J'aurais dû faire une raclette tant que j'étais en Haute-Savoie. En vrai, je pense que la raclette au mois d'août, c'est sous-coté de fou en vrai. C'est turbo sous-coté la raclette au mois d'août. En vrai, c'est zinzin. J'ai pas trouvé de taille quand même, hein. Quelle angoisse. Ah, un gold. J'aurais pas dû acheter le Ezreal. Parce que là, jusqu'à 30 PO, vous avez 1% d'attaque speed en plus. Donc tant que t'as pas 30, il faut éviter d'acheter avant la fin du fight, ma foi. J'ai entendu que tu courais, c'est quoi tes distances de sortie habituelles, ton allure, tu cours beaucoup ou juste comme ça? Ah, disons que depuis janvier, depuis décembre, depuis décembre, novembre, je m'y suis pas mal mis, novembre, décembre. Bah, je dirais qu'en endurance fondamentale, sur un semi-marathon, on est à 5 minutes le kilomètre à peu près. Mon PB sur semi-marathon, c'est 1,41. Et sur 10 km, c'est 41 minutes. Voilà. En sachant que j'ai pas encore fait de compétition officielle, donc je pense qu'avec l'adrénaline de la compétition, ça peut monter, tu vois. Mais là, je vais peut-être m'inscrire à mon premier semi en octobre, là. Faut que je vois si je suis dispo, c'est pas encore sûr, parce que c'est pendant la Paris Games Week, et que Paris Games Week, c'est toujours très chargé. Mais voilà, quoi. Mais sinon, je cours... En semaine, quand c'est chargé, je cours au moins 3 fois par semaine. Et là, pendant mes vacances, voilà, j'ai fait 60 km la semaine dernière. Et là, cette semaine, je pense que ça va encore taper les 60 km de course, je pense. Ça va chercher dans ces eaux-là, à peu près. C'est trop fort, le sceptre vampirique sur Warwick, bordel. C'est le seul truc qui rend Warwick viable, au final. Quoi. 40 au 10. Non, 41. C'est pas pareil, hein. Je sais pas, 1h44 au semi, c'est passé, je vais m'inscrire pour le marathon de Paris. Ah, moi je suis inscrit, moi. J'ai mon dossard, moi. Mais oui, c'est cher, ouais. C'est cher sa mère, mais j'ai mon dossard pour le marathon. D'ailleurs, je me tâte. Je me tâte entre le tenter à 3h30 en suivant le lièvre à 3h30, ou me mettre dans le couloir des 4h et me dire que je vais... Parce qu'en 4h, je le torche les doigts dans le nez, tu vois. Je pense à l'allure de 4h, c'est pépère, quoi, tu vois. Enfin, c'est pépère par rapport à mes habitudes de course, mais j'ai envie de le courir en 3h30. C'est mon but, quoi. Sub 3.30. Bon, y a un monde où je reviens et mon genou est en vrac, mais bon, ça sert à un autre. Surtout qu'à mon avis, tu vois, quand t'es à ton 30ème kilomètre et que t'as ton genou qui commence à être en vrac, genre, tu t'arrêtes pas, tu continues, quoi, tu t'en vas les couilles. Y'a rien de pire que de s'arrêter pendant ton marathon, je pense, en vrai. C'est pire sensation, pire feeling ever, quoi. Bon, la Morgane, elle va jarter. Ah, on aurait pu on peut toujours, en vrai, target. On peut pas target une Ginzo sur lui et donner ça. Ouais, si, peut-être en vrai. J'ai fait de la bite un peu parce que du coup, je vais refaire ça. Oh le con, quoi. Parce que ça commence à casser un peu les burnes en vrai. Si vous me passez l'expression, un peu trivial. Et ouais, mais là, bon, je mets ça sur Zoé. C'est là qu'on se rend compte qu'on est con, qu'on a plus de remover maintenant. Donc, parce que je vais quand même tenir mon plan de jouer les 8 portails, quand même, à ma foi. Je pense en vrai. Moi je jouais 6 aussi si on regardait Diana. On va voir si je trouve Diana 2 ou pas. Si je trouve Diana 2, je suis prêt à m'adapter. C'est dans la tête. Oui, bien sûr, oui. C'est dans la tête, d'accord. Il me reste que 15 gold. Oh la misère. Un objet. Oui, bah oui, d'accord. C'est comme acheter une Rolex, ça coûte trop cher. C'est moche les Rolex en plus. Moi je suis plus team Patek perso pour les montres. Après là j'ai ma Garmin, mais je commence à être déçu de ma Garmin là. Je commence à être déçu. Là je suis plus parti. Enfin je vais la garder parce que je l'ai acheté, mais à tout moment ça va partir sur une Coros à tout moment. Là, la Garmin commence à me décevoir là. Ça c'est laquelle? C'est la Forerunner 55. Voilà, c'est comme tout le monde, exactement. Non mais la nouvelle hype, c'est Coros maintenant, là. Non mais depuis que Jakob Ingebrigtsen a couru le 5000 au Stade de France, en plus je l'ai vu, j'étais dans le stade en plus, hein. Il a couru le 5000 au Stade de France avec la Coros, et il l'a gardé pendant la finale des JO, ça m'a hypé, là. Tu me la conseilles? Bah, elle a un bon rapport qualité-prix, en vrai. Elle te fait pas courir plus vite, ta Garmin. Non, alors que la Coros, je pense qu'elle me fera courir plus vite, je pense, hein.
clairement. C'est quel monstre qui fait courir tout court? Mon Apple Watch, elle m'a fait courir 3 fois max quoi. Non mais l'Apple Watch, c'est pas une montre pour courir, l'Apple Watch en vrai. L'Apple Watch, ça donne pas envie de courir, tu vois. Alors que ma Garmin, elle me donne envie de courir, quoi, tu vois. Non, le pire, c'est mes chaussures. Hein. J'ai acheté des Cielo de chez Oka. Et en vrai, je vous jure, elles avancent toutes seules, en vrai, c'est incroyable. Bon, c'est des chaussures pour semi-marathon et marathon. Mais plaque en carbone, je vous jure qu'elles avancent toutes seules, c'est un truc de fou. Elles courent à ma place, en fait. Genre quand tu les as, t'es obligé de courir. En fait, tu ne peux pas marcher avec, mais premier degré. C'est ultra désagréable de marcher avec. Ouais, la paire est zinzin. La paire est zinzin, ouais. Mais en plus, la paire coûtait trop cher. C'est la première fois que j'achète des chaussures à plus de 200 balles de toute ma vie, quoi. D'habitude, les chaussures, j'achète pas des trucs trop chers et tout. Et même si j'ai trouvé une petite marque qui s'appelle Pied de Biche, petit magasin à Paris qui est très sympa. Mais Osef, oui, donc là les Cielo, elles m'ont coûté très très cher. Elles sont super légères déjà, évidemment. Mais elles sont vraiment faites pour courir. Elles sont inclinées de telle sorte que tu es obligé de courir avec, quoi. Si tu cours pas, en vrai, tu meurs, quoi. Ah, Genora. Mais j'ai toujours pas Tariq, en fait, cet enfoiré. On en parle pas assez de ça, mais... Ah. Et voilà. Non, la grande question que se posent les Françaises et les Françaises, c'est... Est-ce qu'on irait pas plutôt jouer... Est-ce qu'on joue les 8 pour de vrai ou pas? Bon, allez, on va jouer les 8. Oh, ça évitera de réfléchir, hein, vous savez quoi. Après, attends, on va voir si je trouve... Oh, parce que j'ai rentré Nami maintenant. Alors, on va jouer les vitaux. Nick, tu sais quoi. Hop. Nick, Dominique. J'ai une Titan, du coup, qu'on va reforge, d'ailleurs. Double rédemption, c'est parti. C'est un peu de la merde, mais bon. Qu'est-ce qu'on disait, déjà? Oui, donc les... Non, mais les chaussures m'ont coûté un smic. Enfin, j'exagère, mais... m'ont coûté cher. Et donc, à la base, j'allais prendre le modèle en dessous, tu vois. Et là, il y a le vendeur qui était excellent, qui a commencé à me raconter comment il avait couru son premier marathon avec ces chaussures-là. Tu vois, une belle histoire, vraiment une histoire formidable, des blessures, il a mis ses chaussures et tu vois, vraiment. Et ça allait mieux, quoi, tu vois, vraiment c'était ça l'histoire, quoi. Et du coup, bah, je les ai achetés. Je pense qu'il a pris une bonne commission, il devait être content. Mais moi quand on me raconte une belle histoire, ça fonctionne, ouais. Je suis comme ça, moi. J'aime les belles histoires. Ah, c'est sympa, Yatomazi, c'est sympa. Du coup, les décathlons à 20 balles, c'est pas forcément le top pour courir non plus. Non, c'est important une bonne paire de chaussures pour courir, sinon tu t'abîmes vraiment les pieds, quoi. Non, ça c'est important. On rigole, mais c'est très important. L'histoire la plus putaclic de France. Ouais, mais en tant que youtubeur putaclic, tu vois, j'ai été touché par ça, tu vois. Genre, moi je suis client de ce genre de belles histoires, quoi. C'est normal, ça se tient après tout. Je serais hypocrite de palette, tu vois. Je suis obligé de client. Mon race qui tient pas, dommage. Ta-ta-da. Après tout, le rail, c'est pas contest en vrai, donc... presque à niveau 10, hein, mais j'ai Tariq 1, j'ai Reis qui est pas contest, j'ai presque envie d'y croire, surtout qu'on peut avoir un coup de main de Nico quand même relativement facilement avec ses conneries. Par contre j'ai plus... Ah si, il y a cette connasse à stuff là aussi, je l'avais oublié, elle, tiens. Pardon, excusez-moi, je suis très vulgaire, supportable, je me lavais la langue avec du savon, quoi.
Mais il y a un bipatch ce soir, hein, je vous rassure. Hein. Zoé, Harry, ça va se faire nerf. Hein. Ouais, ça gagne. Hein. J'espère qu'ils mettent Wukong aussi dans la rota. Même pas Wukong, mais je vous jure. Non, mais je pense vraiment que c'est Riot qui, dans des laboratoires de Tencent en Chine ou en Californie, est en train de créer, grâce à ce Wukong, le nouveau variant de la variole du singe, à mon avis, vraiment. Je sais pas ce que vous pensez de ma théorie, elle a un brin complotiste, je vous l'accorde. Que des champions à 5 PO, il y en aura deux, je reconnais. Ah d'accord, très bien. Très très bien, ah vraiment. Génial, passe un bon moment. Passe un bon moment dans la maison des secrets. C'est demandé les zéphyrs, Ah, une chance sur deux. Ah, terrible. Ça va prendre la pute. T'as, vous savez que je commence à être je commence à être en total stress là, parce que enfin stress. Je commence à être angoissé, le chat, parce qu'il y a la saison 2 des anneaux de pouvoir qui sort le 29 août, qui pour moi est la pire série, hein, de tous les temps, on peut le dire, je pense. Hein. Nul à chier. Et je me demande comment vont-ils cette fois-ci s'y prendre pour chier sur le Seigneur des Anneaux. Je pense que je me remettrai jamais, hein, de la saison 1, vraiment là. Je me remettrai jamais, je pense. Hein. J'allais dire c'est à chier. Ah non, mais c'est complètement à chier, enfin c'est à vomir, quoi. À vomir, on peut le dire. Ah, je sais faire la Zoé. J'ai arrêté dans mon dernier épisode. Ah, moi, j'ai tout regardé. Hein. Non mais déjà, s'ils remettent les pieds velus, déjà, ça va me saouler. Déjà, mais ils vont les remettre, c'est sûr. Hein. On sait qu'ils vont les remettre. Hein. On se sait, le chat. Mais si je le bats pas, hein, ils vont se faire la Zoé. On peut les faire foutre, hein, je crois. Je vais gagner là, non? Ouais, je gagne. Allô? Faut les faire foutre, Tarek, là, par contre. Hein. Merci. Donc, par contre, je l'achève pas. C'est embêtant parce qu'il va falloir re-faire Zoé une deuxième fois. J'ai bien aimé. On m'a dit que vis-à-vis des livres c'était pas mal. Alors vis-à-vis des livres c'est atroce. Mais genre vraiment c'est atroce vis-à-vis des livres. Ah, je suis abattu en vrai. Mais bon, j'ai quand même regardé, hein. Je suis un Yankee, vous le savez, mais. Comme disent les Jones. J'ai quand même envie de mettre Red Buff sur l'autre, j'aime bien Red Buff quand même, même si j'ai déjà un Morello, sur Nami, un petit Red Buff, c'est pas mal là en vrai. Pourquoi? Non, je vais pas spoil pour ceux qui ont pas vu, mais j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai énormément de revendications à ce sujet, quoi. Ah, ça y est. En plus, elle a un bon stuff, là. Pas gagné notre affaire, quand même. Hein. Je vais faire son Warwick Shore, je l'ai baisé, en vrai. Oh là là, pff. Vous avez vu ou pas comment je l'ai brain ou pas? Je lui ai fait le tiki-taka, là. Droite gauche. Il a rien compris à ce qui lui arrivait, hein, franchement. Que je tente ça. En fait, avec le truc des artefacts, j'ai plus souvent des bons. Vas-y, on va tenter, mais à chaque fois je me plains à chaque fois que je le prends. Ok, non, c'est pas mal en vrai, j'avoue. Ok, non, je vais. Je me plains pas. Je suis satisfait. Bon, ça en repassera ça, mais je suis globalement satisfait.
Le Zonia va me faire gagner, je pense, en vrai. Et il a déjà proc le Zonia, fuck. Ah, ça proc un peu tôt, hein, putain. Ah, je pensais qu'il allait pas proc tout de suite. Allez, allez, allez. Ah, il s'est pris le coup de Larry. Oh, putain. Oh, il s'est heal. Qui l'a heal? Ah, c'est le porté qui le heal. Allô? Ah, c'est le porté qui le heal. Souh, par contre, c'est le fantôme, fuck. Putain, mais quelle angoisse. Faut qu'on récupère le méga dragon là. Non, la Yum elle compte pas. Ah, quoique en vrai. Peut-être qu'elle compte en vrai. Je pense pas, mais. Je pense pas. Bon, faut un truc très. Il reste lequel du coup? Il reste la Zoé. Vous savez qu'on peut récupérer le coup de main de Nico, en vrai j'y crois, si on récupère le coup de main de Nico là. Ça c'est pas mal en vrai ça, mais... Techniquement j'ai encore une vie. Bon, j'ai rebalancé ça en backline, sans autre forme. Par contre j'ai pas collé le Taric à la double rédemption, je suis un connard. Ah, j'ai eu le Rise 1, pas terrible. Après c'est son seul anti là en vrai. Mon Taric s'est recollé à la rédemption, mais la rédemption va se faire trishot j'imagine. Bon moi j'ai gagné. Je sais pas pourquoi je le sentais pas celui-là, mais peut-être les Zrot ont carry. La prologue c'est les persos qui meurent en front deviennent des ZZ Rot au début.